Ha ha ha! Bienvenue sur Tonton Tom's TV. Aujourd'hui, nous allons suivre l'histoire de Tempeste, My Little Pony. Tempeste était une gentille petite poney. Elle était très belle, toute violette. Elle aimait se promener dans la forêt, manger les feuilles des arbres, miam miam, boire de l'eau, miam miam. Mais un jour, pas de chance, pendant qu'elle se promenait, un vilain dinosaure était là. Caché derrière les arbres, Tempeste ne le voyait pas. J'ai soif, c'est bon. J'ai soif, c'est bon. Et tout à coup, le méchant dinosaure l'attaqua. Ya! Ah non, au secours, au secours. Ya! Tchac! Et le méchant dinosaure lui cassit sa corne. Au moment où il allait la manger, heureusement, des Youhoufren arrivaient. Oh, mais qu'est-ce qui se passe ici? Je suis Drago, le Youhoufren. Va-t'en, méchant dinosaure, va-t'en. Je crache du feu. Ah, je m'en vais, je m'en vais. Draco, Draco, que s'est-il passé? Ah, oh, elle est blessée, elle est blessée. Oui, je crois que c'est un Little My Pony. Oh mince, attends, j'ai mon pouvoir magique. Je vais lui faire des guilis secrets. Gili gili gili, gili gili gili. Ah, merci les amis, vous m'avez sauvé. Oh non, ma corne elle est cassée. Comment je vais faire? Je suis vraiment très triste. Eh oui, Tempeste était très triste. Elle qui était toute gentille, elle commençait à devenir un peu méchante. Mais les gentils Youhoufren avaient une bonne idée. Tempeste, Tempeste, je connais un endroit secret où on peut réaliser tous ses rêves. Peut-être que tu pourras réparer ta corne. Oui, j'aimerais bien y aller. Allons-y, les amis. Maintenant, c'est moi votre chef et vous ferez tout ce que je dis. D'accord, Tempeste, nous on est des gentils, on te suit, on fera tout ce que tu nous dis. Et ils partirent. Loin, loin, loin. Très, très loin. Mais dis donc, Sherma, le serpent, il est où ce pays très loin? Il faut aller encore plus loin, c'est le pays désert, mais je crois que nous sommes bientôt arrivés. Waouh, nous voilà arrivés au pays désert. Waouh, ici il y a des beaux nuages, un beau soleil, c'est vraiment le pays désert. Attention, Tempeste, n'y va pas trop vite, ne va pas trop vite. Ici, il y a les gardiens. Je les connais, ils sont redoutables. C'est les YMCA. Regarde, il y a même le policier avec son épée dorée. Ah ah! Qu'est-ce que vous faites là, les intrus? Nous protégeons la princesse Glimise. Elle s'appelle Bessie. Nous la protégeons, elle a des super pouvoirs que personne ne doit lui prendre. Ah ah! Ma corne, elle est cassée. J'ai décidé que je serai méchante et je vais lui prendre ses pouvoirs pour réparer ma corne. Pendant ce temps, Bessie, la petite princesse, elle ne disait rien, mais on voyait qu'elle illuminait plein de pouvoirs. Nous allons protéger Bessie à l'attaque. Yaha! Allez, mes deux esclaves, serpents, dragons, attaquez ces méchants YMCA. Attaque des guilis, 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 guilis. Ha ha, moi ça fait rien les guilis, je suis fort. Je connais ton point faible. Clac dans ton œil. Ah non! Clac dans l'autre œil. Ah non, je vois plus, j'ai mal, au secours. Non, petit serpent, qu'est-ce qui t'arrive? Qu'est-ce qui t'arrive? Je vais te venger. Non, attention, voici le méchant policier. Enfin, il n'est pas vraiment méchant, il protège la princesse. Épée dorée, moi aussi je connais ton point faible. Clac, dans l'œil. Ah non! Clac, dans l'autre œil. Ah non, je vois plus rien. Tempeste, tempeste. On a perdu, on s'en va. En plus, on voit plus rien, comment on va faire? Non, je ne reculerai pas. Tant pis si mes nouveaux amis, vous avez perdu la vue. Ce qui m'importe, c'est de récupérer ma corne. Et de toute façon, vous n'avez jamais été mes amis. Apsh! Oh là là, Tempeste, elle est méchante. En fait, elle a fait croire que c'était ses amis. Mais tout ce qu'elle veut, c'est récupérer sa corne. Moi, je sais me battre. Ya! Coup de corne cassé. Psh! Psh! Psh!
Voilà, princesse Bessie, j'ai vaincu toutes tes gardes YMCA. Qu'est-ce que tu vas faire? En effet, Tempeste, tu as vaincu mes gardes. Vois mes pouvoirs, je sais voler et changer de couleur. Je ne vais pas opposer de résistance et je vais t'accorder ton vœu, mais choisis judicieusement. Ah, Tempeste était vraiment étonnée. Elle a le droit de faire le vœu qu'elle veut en ayant sacrifié ses amis et vaincu ses adversaires. Est-ce qu'elle va vraiment demander à faire réparer sa corne et oublier ses nouveaux amis et la nouvelle amitié qui les lie? D'accord, j'ai choisi mon vœu, dit Tempeste. Je veux que tu guérisses mes amis, parce qu'ils sont plus importants que ma corne. Ha ha! Très bon choix, petite Tempeste. Je vais guérir tes amis. Tchic. Magie, magie. Oui, je vois, je vois. Tchic. Magie. Tchic. Magie. Oui, moi aussi, je vois, je vois. Merci, Tempeste, tu nous as sauvés. Eh oui, les amis, finalement, ma corne, c'était pas si important. Ce que j'ai appris, c'est que des nouveaux amis, c'est beaucoup plus important. Et voilà, c'est fini. Maintenant, tu peux aller jouer pour de vrai.